On va se retrouver sûrement sur une vidéo en deux parties. Une vidéo boule de Noël personnalisée. En espérant pas être dégagée de TikTok parce que il y a un mot qui ne supporte pas. Donc, voici ma boule. Donc, j'ai choisi un beau bleu pétrole. Voilà, magnifique bleu, ça me met même plus un bleu électrique. Ma boîte est déjà prête. Donc, voici. Il restera juste le ruban à mettre. Donc, elle sera en plusieurs parties. J'ai commencé à écheniller le prénom. Pardon. Voilà, l'écriture est juste magnifique. Et là, nous allons écheniller ensemble ce qui servira de flocon. Alors, certaines parties seront maxées. Ma truc m'est tombée des mains, donc elle est plantée. C'est parti. Donc, ça a été très vite, très très vite. Il y a besoin de mettre 2 heures à écheniller, surtout pour des petits motels. Alors, comme vous pouvez voir à l'intérieur, il y a, je ne sais pas si on voit bien, des têtes. Voilà. Ces têtes-là seront enlevées, mais elles serviront. Donc, il n'y aura pas de gaspillage de vinyle sur cette vidéo. Donc, je regarde. Et nous passons à la suite. De transfert. Attention à ce qu'il ne colle pas trop, sinon vous risquez d'abîmer la couleur de votre boule. Donc, on en coupe un gros morceau. Un petit serviette. Hop. Donc ce qu'on va faire pour pas qu'il ne colle que de trop, hop, on va le passer plusieurs fois sur vos doigts. J'adore cette écriture. Et là, on va passer. Alors, pas besoin d'autre. Voici. J'ai oublié une chose. Personne ne me l'aurait dit. Hein. Il me reste mon joyeux Noël qui a disparu. Je peux aussi mettre d'autres messages, évidemment. Là, je mets ce que mon client m'avait demandé. Thank you.
juste trop trop beau. Je vais venir en mettre dessus, au centre de la boule. Évidemment. Hop là, Mylène. Je viens
avez une boîte faite de A à Z ensemble. Et il me restera juste à coller ma petite étiquette sur le dessous. Et voilà. Passez une bonne journée.